Alors, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre étape du veinage. Donc, je vous avouerai que j'ai commencé sans vous, je vous ai oublié. Mais bon, le principe, il n'est pas compliqué. Donc, je vais vous montrer. Voilà. J'ai commencé quelques veines, je ne sais pas si on les voit forcément bien. Sur mon téléphone, voilà. La résolution n'est pas forcément top. Donc, on a notre mélange de bleu. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est hop. Je sais pas si vous allez voir forcément bien la couleur. Voilà, de bleu. Donc là, le but étant de marquer les veines légèrement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trempe le pinceau. Voilà, on estompe sur notre sopalin pour que ce soit pas trop visible et que ça fasse plus naturel. Et là, donc, on va tracer nos veines. Donc, il faut pas faire des traits directs. Voilà, vous faites le trait en zigzag. Comme ça, et là on peut estomper avec notre éponge. Voilà, donc le but étant vraiment d'estomper, voilà, pour que ce soit vraiment surface et non trop visible. Voilà, donc c'est une étape qui n'est pas forcément difficile. C'est simplement du dessin. Donc après, vous pouvez vous imprégner de vos propres veines. Donc vous regardez. Donc les miennes sont plus ou moins visibles, hein, je dois avouer. Voilà. Et en général, on fait les premiers bébés qu'on fait. On se donne un exemple sur nos propres veines. Et après, ça vient tout seul. Voilà. Moi, j'ai beaucoup regardé les nouveau-nés, mes enfants, pour voir où étaient placées les veines, surtout. Voilà. Comme j'ai des enfants qui. Deux d'entre eux sont très marqués au niveau de la peau parce qu'ils ont un teint très blanc. Voilà, donc ils ont encore gardé leur peau blanc de bébé. Voilà, donc là on le voit pas très bien parce que j'ai ma lampe. Voilà, là on verra peut-être mieux si je planque la lampe 3D. Voilà, ça donne ça, c'est vraiment du léger, hein. Faut pas que ça fasse des gros traits bleus, c'est pas joli. Voilà, on reste sur quelque chose de léger, parce que de toute façon, ça marquera quand même si vous avez l'impression que c'est trop léger, n'en faites pas des tonnes, ça va pas faire joli. On les verra, il faut que ce soit fondu en fait dans le. Ben, comme vous quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que. Donc j'avais fait tout mon kit. Je vous avais gardé une petite main, un petit bras à finir pour le faire avec vous. Je le mets toujours au four qui est déjà préchauffé, donc 10 minutes à 130, voilà. Et ensuite, je laisserai refroidir pour passer